Bienvenue sur la chaîne des paintings de Molly pour la suite de l'unboxing Temu où je vous avais présenté précédemment deux superbes toiles. Cette troisième ne fait pas exception aux deux autres. Elle est franchement sublime et elle contient en plus des diamants AB. Donc je vous la présente parce que là j'ai une feuille de route aussi. Alors c'est une 40 par 60. Voilà, donc voilà la petite feuille, la petite photo d'identité, pardon. Alors c'est pareil, la feuille de route, elle est au top. Des différentes couleurs apparaissent, les numéros pour les couleurs. Donc elle a 41 couleurs. Dans la colonne d'à côté, vous avez des symboles. Ensuite, vous avez en bleu turquoise, vous avez les chiffres de DMC. À côté, en violet, vous avez la quantité de diamants pour chaque sachet. Et ensuite, à côté, vous avez le poids des sachets. Hein, vous voyez, 4,6 grammes. Donc voilà. Donc elle est très très bien, les chiffres sont écrits en gros, pas besoin de vignette, hein, ça c'est très bien. Alors le toolkit, qui est franchement par rapport aux deux autres toiles, est très très bien. Vous avez donc le stylet rose, les petits sachets, la wax, alors vous avez un gros carré de wax. La barquette blanche, pour moi c'est ma préférée parce que bah, les vertes je m'en sers pas, c'est de la daube. Vous avez des petits sachets et la petite pince à nœuds qui sert pas à grand chose, sinon juste à mettre la glue dots dans les stylets, allez, ou pour la retirer, elle est bien pour ça, quoi. Voilà. Donc la toile est arrivée en sachet zippé. Donc ben voilà, on peut la commencer tout de suite. Alors vous voyez, hein, il y a des couleurs, je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y a quand même 41 sachets. Je vous montre, hein, pour les plus belles couleurs, ce violet. Ben là aussi, il y a pas mal de déclinaisons de couleurs saumon, allant du plus clair au plus foncé. Des vieux roses allant du plus clair au plus soutenu, comme vous voyez. Des oranges, pareil, hein, qui sont déclinaisons d'oranges. Hein. Apparemment, ça vous paraît être le même. Eh ben non, c'est pas le même. Celui-là aussi. Un vieux rose un peu violet que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est pour les couleurs. Alors, je vous montre les 4 sachets de diamants AB. Donc, ici, vous avez du 962A, voilà, en rose. Il est très, très joli. Vous avez deux violets, un 550A, voilà. Le troisième sachet, c'est le 208A, voilà, qui est un peu plus clair. Et enfin, un que j'avais jamais vu encore en diamant AB, un bleu, mais à tomber, c'est le 3841A. Voilà. Donc il y en a pas mal en plus dessus, hein, vous voyez, dedans, hein, vous voyez. Donc voilà. Alors, donc je vous montre la toile. Comme je vous ai dit précédemment, elle a 41 couleurs et c'est une 45 par 65 bord compris, donc c'est une 40 par 60 en fait, hein, voilà. Donc les cheveux sont plein de fleurs, elle a la tête entourée de fleurs, voilà, c'est un portrait, il est allé absolument magnifique. Et puis ben j'ai vu, il n'y a pas de noir. Hein, c'est rare, hein, une grande toile comme ça qui n'a pas de noir. Alors, vous remarquerez, petit détail, là, les bords, ils sont dentelés. Ça, c'est super. Et elle est en coton.
Alors, c'est pas un coton aussi épais que si vous commandez sur d'autres sites hein, qui sont plus réputés hein, et puis bon que les toiles elles coûtent beaucoup plus cher, mais quand même la qualité est au rendez-vous. Même le plastique hein, qui recouvre la toile est quand même assez est quand même assez épais. Voilà, ça n'a rien à voir non plus, mais bon pour le prix c'est quand même une belle toile de qualité. Puisque cette toile m'a coûté 13,48 € avec 4 diamants AB. Voilà, donc je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Alors, elle est légèrement pailletée. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et par contre, ben oui, forcément, les diamants sont. Les symboles sont très très bien imprimés comme vous pouvez le voir. Les diamants sont et ben ils sont pas ronds. Ils sont carrés. Je viens juste de m'en apercevoir. C'est pas des diamants ronds, ce sera des diamants carrés. Les autres étaient ronds. Les deux autres toiles, ce sont des diamants ronds. Mais là, ce sont des diamants carrés. Je viens juste de m'en apercevoir. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien les diamants carrés aussi, même si je n'ai de préférence pour les ronds. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!